Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous, les Arthuriens, sommes une conscience collective, tout comme vous. Vous vous considérez comme des individus ayant vos propres pensées, vos propres idées, vous inspirant de l'intérieur pour faire quelque chose ou dire quelque chose ou simplement pour penser à quelque chose. Mais sachez que vous faites appel à la conscience collective humaine plus souvent que vous ne le pensez. Nous vous l'avons déjà dit, mais nous vous le répétons à nouveau. Vos pensées ne proviennent pas de votre esprit. Vous les recevez, tout comme vous recevez toutes les énergies alentour. Et lorsque vous commencez à vous considérer comme faisant partie d'un collectif, vous réalisez alors deux choses. En premier lieu, vous pouvez aider le collectif parce que vous mettez dans cette conscience. Et cela ne nécessite aucune action de votre part. Tout ce que vous avez à faire est de réfléchir délibérément. En second lieu, vous êtes affecté par la conscience collective dont vous faites partie. Par conséquent, vous réalisez que ce qui se passe en vous peut être dû au fait que vous captez quelque chose qui se passe au sein de votre collectif humain et de la conscience que vous partagez tous. Une fois que vous aurez réalisé cela et que vous commencerez à vivre en conséquence, votre vie deviendra plus facile et meilleure parce qu'elle aura plus de sens et parce que vous comprendrez que parfois, votre rôle est simplement de travailler avec les énergies qui vous entourent. Maintenant, qu'entendons-nous par travailler avec les énergies? S'il se passe quelque chose dans votre conscience collective, comme par exemple un événement mondial qui toucha votre monde, alors vous pouvez vous demander de quelle manière vous allez être touché par celui-ci. Pas seulement par la partie sur laquelle vous en êtes obsédé. Vous pouvez simplement vous demander comment vous allez pouvoir aider. Nous parlons d'aider la conscience collective dont vous faites partie à guérir, à élever son niveau de conscience et à avoir plus de compassion pour ceux qui souffrent. Parce que peu importe ce que vous pouvez croire ou non, il y a de la souffrance qui se produit. Et vous, en tant que partie d'un collectif, vous êtes affecté par cette souffrance. D'une certaine manière, c'est vous qui faites la souffrance. Il faut donc commencer par s'aider à se sentir plus stable, plus apaisé, plus à l'aise. Vous devez activer la vibration que vous souhaitez avoir à l'extérieur de vous. Et vous pourrez alors commencer à réfléchir davantage à la manière de rendre service à cette conscience collective que vous partagez tous en tant qu'être humain. Et vous pouvez le faire pour chaque problème auquel l'humanité est confrontée. Il y a la guerre, la pauvreté, la faim, la violence entre les individus, la maladie. Et ces problèmes font partie de votre mission. Ce que vous pouvez prêter à l'humanité pour augmenter le niveau de conscience sera toujours quelque chose que vous vous accorderez d'abord à vous-même, puis vous les diffuserez. Vous pouvez donc vous connecter à tous ces sentiments de basse fréquence, tels que la victimisation, la manipulation, l'oppression, ou vous pouvez vous connecter à votre pouvoir, celui que vous avez en vous, pour vous transformer et propager ce sentiment de pouvoir énergétique envers tous les autres, afin que chacun
dans votre collectif puisse être en paix, à l'aise et vivre dans la joie, la liberté, l'excitation et l'amour. Et quand un nombre suffisant d'entre vous considère cela comme sa mission, vous pouvez alors changer beaucoup de choses, sans même quitter la pièce dans laquelle vous êtes assis à cet instant précis. Nous sommes, est le conseil arthurien, et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci.